and gentlemen, I will be working tonight with one of our younger brother, the most talented Stefan Le Chevalier. Can we please put our hands together, ladies and gentlemen? Est-ce qu'on peut le passionner, s'il vous plaît? Ne faites pas de jaloux, là, s'il vous plaît. Applaudissez la star Stéphane, s'il vous plaît. C'est une star, s'il vous plaît. Merci, merci. So talented, so Stéphane. I guess we are ready for Sapoli tonight. Mesdames, messieurs, bonsoir. Est-ce qu'on va bien ce soir? Est-ce qu'on va bien ce soir? Si on va bien, je voudrais qu'on applaudisse très fort pour le mentor des MC de Washington. C'est toujours un honneur de rester à côté de ceux-là qui ont bitumé le chemin pour nous. Vous savez, si Roger Milan n'avait pas fait ce qu'il a fait, Samuel Eto'o ne serait rien du tout. On a beau être Stéphane Chevalier, il faut penser et s'arrêter un instant pour savoir, reconnaître que avant Stéphane Chevalier, ce monsieur a fait le travail qu'il fallait faire pour donner de la visibilité aux MC que nous sommes. Nous sommes honorés. Thank you Stéphane. Bien, la nuit de la SAP, c'est ici que ça se passe. Vous avez pu le constater avec le maréchal Diallo, juste à notre gauche, c'est la table du jury. On veut simplement se poser la question de savoir si ce ne sont pas eux-mêmes les jurys qui vont repartir avec leur prix. Tellement vous êtes beau, tellement vous êtes belle ce soir, qu'on se dit simplement on va faire la fête jusqu'au petit matin. D'ici là, comme on est véritablement commencé, je m'en vais une fois de plus me retourner vers la maestria de Maréchal Diallo qui va certainement introduire pour vous, pour nous, la première rubrique de cette soirée. Yeah, Steph, as we all know, ladies and gentlemen, tonight is about Sapology, is dressed to impress. So we have a game tonight and the winner will be having a very wonderful prize. As you all look on my left, we have a Giro, which is all supper. If you look, I have Gando, Black, Le Boucontier, can we put our hands together? One of our Giro tonight, Gando, Black, Le Boucontier. Not far from him, Fleury Lambert! Fleury Lambert! Fleury Lambert! And of course, Willy Versace! Willy Versace! Wow! 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 Steph, I guess looking around this hall, you pick up at least 20 sapeurs and about 30 sapeurs. If we can say that. Tout à fait, ils sont tous sapeurs, ils sont vraiment beaux, elles sont toutes sapeuses, on va faire cet emprunt aux Français. On va simplement rappeler, mesdames et messieurs, que dans quelques instants, le concours de la SAP va véritablement commencer et ce sera sous les bons soins de monsieur le maréchal Diallo, en complicité avec nos membres du jury. On veut ici ce soir dire merci du fond du cœur à ces mécènes qui portent. Très haut, hein, à bras le corps, tous les projets africains. Nous voulons dire merci infiniment à H.G. Kemoros, c'est un dealer camerounais pour les Africains. Il est parmi nous, il nous fait l'amitié de solutionner tous nos problèmes auto. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour H.G. Kemoros? Please put your hands together for H.G. Kemoros, one of our tonight's sponsors, ladies and gentlemen. Thank you. Okay, also, not the least tonight, ladies and gentlemen, he is very young and talented. He always sponsors all and every African event. His company is called Tea Back Home Tea. I'm right, right, Stephen? Back Home Tea, tout à fait. C'est ce monsieur qui a innové avec l'effigie du Cameroun sur la poitrine. Et son projet lui a été chouravé par un autre Américain qui a conçu sur la poitrine l'effigie de l'Afrique, et pour ceux seulement qui suivent Vox, Vox Africa, avec notamment le frère Claudicia, comment s'appelle ça? The Voice. The Voice of Africa. Voilà The Voice, version francophone en Afrique. Back Home Tea de Monsieur Jérémy Anne est fièrement porté de ce côté par Claudicia. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre frère? Nous voulons également dire merci ce soir à Connaisseur Paris, qui a eu l'insigne honneur de repartir il y a deux semaines du côté des Hawa. Hein. Il était le lauréat. Oh yeah, he was the winner of Best Fashion Boutique of the second edition of African Award of Washington. Let's put our hands together for Connaisseur Paris! The last but not the least, he came private.
chauffeur, pour tous ceux seulement qui ont des soucis avec la conduite, pour ceux qui vont effectuer le déplacement pour Obama Apollo et qui ne voudraient pas conduire tout le long du chemin au moment de rentrer. Il est private chauffeur est la solution idoine à vos problèmes. Est-ce qu'on va nous dire très fort, il est private chauffeur, s'il vous plaît. I want to say something, Steph. As we have so many supper in this hall, I don't want nobody to be shy. This is your occasion. This is a platform to show off what you have on. Don't be shy, please. I will be coming towards you. I might pick you up to come on this stage and show off what you are wearing. Tout à fait. Donc, le maréchal précise, ne soyez pas honteux. On est venu ce soir faire la fête. Et parce que nous avons la faculté de remarquer en vous un talent, de l'éclat, ne soyez pas surpris que, au passage, Maréchal vous invite à venir ici prester pour nous parce que vous êtes véritablement élégant. Je voudrais également terminer ce soir en disant bonsoir et bienvenue à tous les invités, tous autant que vous êtes. Nous voulons dire particulièrement bonsoir aux parents de cette soirée. Hein. Le parrainage a commencé avec les Awards. Et ça se poursuit, on va dire bonsoir au parrain, monsieur Tapa Christophe, et à toute sa table. Le parrain de toujours. Le parrain de toujours. Merci de l'honneur que vous nous faites. Ici et maintenant, on va tranquillement se retourner vers le maréchal, qui va mieux que moi introduire l'articulation. Thank you, on va une sapeuse qui nous rejoint ici. Une sapeuse, voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît, applaudissez. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent sapeur ce soir qui peut nous rejoindre ici? Sinon, je vais appeler les noms parce que je connais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent sapeur qui peut nous rejoindre ici? Somebody, please, join me on this stage. Okay, if nobody want to come, I will call them because I know who is who in this community. That being said, I will be calling one of our elder brother. He always like killing with clothes. Please, put your hands together and help me welcome Mr. André Chauvet. Mr. André, please, come on, look at the guy. Look at the guy. Oh my gosh. This is what we call sapology. Can we put our hands together, ladies and gentlemen? All right. From one man to another. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers dames, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un dessin d'art. J'ai cru que c'est un dessin qu'on a fait. Pourtant, c'est bien et bien quelqu'un vivant, quelqu'un qui respire. Elle s'habille toujours très très chouette. Vous savez, la sapologie. Viens, on est venu s'amuser ici. Viens. Je connais cette communauté. I know you guys. Aïe aïe aïe, put your head together, ladies and gentlemen. La sapologie ce soir. La sapologie. Ouais. Bon, vous voyez que quand même, peut-être je peux me tromper, mais j'ai quand même l'œil, n'est-ce pas? Et le plus important, c'est que je connais toute cette communauté. Je connais tout le monde dedans. On se dit, Maréchal, il voit beaucoup de personnes, sûrement il ne va pas connaître qui c'est. D'un homme à une femme, mais non, elle est toujours très très sereine. Quand vous la regardez en face, vous avez toujours peur de lui dire bonjour. Mais au fond, c'est quelqu'un de très très bien, toujours nickel. Elle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Madame Tapa, que j'invite ici sur ce podium, s'il vous plaît, très sympa ce soir. Madame, je vous en prie, faites-moi l'honneur de venir. Vous êtes très bien habillée. Je vous mets. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir? Ah, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Steph, can you help her? Okay. Wow. Sapology night. Quand on était tout petit, on devait dire ça c'est l'affiche du film de l'édition prochaine. L'affiche du film. Ok, we have another sapper. I don't know his name, but just by looking at him, please sir, yeah. Please come on over. Thank you.
Put your hands together. Okay. Again, here's the rule. Supper is not about the dressing. S'il vous plaît, allons-y rapidement. On s'amuse. On s'amuse. On me dit également d'appeler des gens pires. C'est Jean-Pierre, venez, venez sur la piste, vous avez le travail pour le jury. Ok, avec la collaboration du jury, j'invite le président Daniel qui vient de faire son entrée. Allez, c'est pour la sapologie. Rejoignez. Merci, 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 merci. Bon, maintenant, je vais demander au jury et au public de commencer à faire le boulot. Je vais vous présenter les candidats. Le public, on va aller très rapidement parce qu'on attend la diva. Ok? Le jury est en train de faire son boulot et on va aller par procédé d'applaudissement. Est-ce qu'on est d'accord? Et vraiment, ne soyez pas, ne prenez pas quelqu'un parce que c'est votre frère. Un mot du jury en attendant. Eh bien bonsoir tout le monde, déjà merci d'être venu, hein, de venir célébrer la sapologie ce soir, c'est un concept assez spécial. Mais je voudrais dire aux gens, saper ce n'est pas aller s'acheter les derniers vêtements les plus chers. Les meilleurs sapeurs du monde sont les gens qui s'habillent en friperie. Tu vas à la friperie, tu paies quelque chose, mais tu réussis à concorder pour faire quelque chose de très beau. Mais la sapologie aussi, c'est connaître ce qu'on est en train de mettre. Vous devrez pouvoir nous dire ici ce soir pourquoi vous avez coordonné vos vêtements avec cette chaussure. C'est quelque chose de particulier. J'espère que c'est un critère ici sur lequel nous allons nous baser pour choisir le sapeur de la soirée. Mais d'autre part, vous devez vous sentir confortable dans vos vêtements. Quand vous marchez, on doit savoir que cette personne-là se sent bien dans sa tenue. Donc c'est ça les critères sur lesquels le jury va se baser, n'est-ce pas, pour choisir le sapeur le plus sapé de ce soir. Ce ne sera pas la qualité du vêtement, ce ne sera pas la chèreté du vêtement, ce ne sera pas le nom, ce sera le confort. Le confort. Merci. Ok, je crois donc, qu'est-ce que je fais? Je vais les amener à faire une petite démonstration. Monsieur Christy du Japon, alors, votre habillement, quoi a-t-il dessus? Donc, déjà, j'ai voulu m'habiller parce que j'ai voulu que j'utilise mon vêtement à cause du concept de la soirée de ce soir. Donc, ce soir, j'ai mis un veston Balmain avec des boutons dorés. J'ai assorti avec un pantalon Karl Lagerfeld bleu nuit. Qui va avec. Alors, du coup, l'homme dans mes trois couleurs celui. Du coup, j'ai cassé avec ma montre Goldman Piqué entièrement. Qui est marron, bronze, assorti avec mon Gucci bag que vous voyez là. Et là, mon Versace que j'ai mis est tout qui représente avec ma tweet dernière sortie 2017. C'est ça. Est-ce qu'on peut applaudir ici le Japon? Oui, nous prenons le président Kajo qui va nous décrire son habillement ce soir et nous dire pourquoi il a choisi. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je suis un Gianfranco Ferré, c'est, je suis italien, ça coûte 1850 euros. Oh, c'était trop fort aujourd'hui. J'ai porté du thym. Le chasseur qui a tué l'animal pour fabriquer ça, il est mort parce que c'est tout. Donc ça a pris du temps, comme ça coûte le pantalon aussi. Il y a trois personnes qui ont porté ce pantalon aussi. Il y a le maire de Washington DC. Et il y a le président du Japon. Il y a trois personnes, c'est tout ça. Et là, on peut aller plus. Quoi, la chemise, c'est une chemise qui a été façonnée par moi-même. Là, à l'intérieur, c'est le président avec Y. Et vous avez là, alors, vous avez là, Rolex, vous pouvez vous approcher. C'est 7 800 euros.
Bon, moi c'est tout. On dit c'était à sa apologie, mais... Ok, je vous en prie, je vous en prie. Alright, alors, description. Je ne suis pas un styliste, mais j'ai simplement mis un enfant de smoking. Une chaussure très simple qui a sorti à cela. Et une bande noire. Et c'est très simple. Voilà, je vais inviter la mastodonte, le grand frère. Et je vous en prie, monsieur André. Ouais, spécialement habillé ce soir, est-ce que vous pouvez décrire? Merci la chale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que la sapologie, c'est guidé par le confort. Tout à fait. Il suffit d'être confortable, quoi, donc tu sois bien trouvé. Et puis la saison aussi, hein, parce que bon, c'est la saison sur le velours, c'est froid. Donc sans trop y penser, j'ai mis un velours et puis il est pour moi parce que bon, c'est la saison festive, quoi, on voit et puis on le fait. Et puis bon, je voulais également, par rapport à la soirée qui est dans son temps, je fais chier et puis est-ce que vous pouvez faire un tour pour que le public vous apprécie? Je vous en prie, le prof André. Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le mentionner? Aïe, 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 aïe. Merci, merci. On va commencer avec les dames. Je vous en prie, madame, vous nous décrivez comment vous êtes habillée et vous nous dites pourquoi. Je suis venu m'amuser, c'est tout. Et une simple robe pour moi. Mon chef fait tout. Il n'a rien à voir. Merci, on va vous demander aux dames de descendre parce que remonter va être difficile. Je vous en prie, madame, please. Bonsoir, je vous en prie madame, il paraît que vous venez de quelque part en Europe, c'est de quel pays? De Paris. Vous venez de Paris, alors la parisienne a expliqué le choix de votre vêtement ce soir. Un mannequin venu de Paris spécialement pour la nuit de la Sable. Elle habille en Louis Vuitton. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? C'est ça la nuit de la Sable, je vous en prie. Dulcinée et annoncée. Vous avez une robe qui balaye, pas derrière. Oh mon Dieu. Voilà.
avec, je ne sais pas si c'est du diamant là. Oui, allez-y, décrivez d'abord. Bonsoir à tous. Moi, c'est Anthony Boyni. Là, je porte une coco rose. Elle est high low. Je suis âgée de rose parce que cette couleur, c'est pour le cancer du sein. Et vainqueur des cancers du sein. Donc, je suis venue m'amuser et je m'amuse deux fois parce que cette chair, elle est vraiment chère à moi, a vaincu le cancer du sein. Donc, je m'amuse. Et voilà. Je vous en prie, une tonne d'applaudissements pour cette dame, s'il vous plaît. Elle s'amuse et elle a un message à travers son environnement, la couleur rose pour le cancer du sein. Ciao, chapeau. Je vous en prie. Venez, c'est une niche. Alors, vous êtes en blanc aujourd'hui. Bonsoir, moi c'est Cindy. Ce soir, un jump suit. Mon ami n'a pas de marque. J'ai choisi le nom parce que je suis camerounaise, je suis africaine. Et puis, mon teint, ça ressort vraiment mon teint noir. Et là, j'ai une chaussure et un talon en fait noir parce que je vois que le noir donne vraiment avec du blanc. Et comme vous pouvez tous le constater, ma chaussure noire a aussi des perles blanches qui m'arrivent. Description sur mesure. Est-ce qu'on prend place sur les agendas? Je vous en prie. Description sur mesure. Je vous en prie, madame. Please, come on. Yeah, please, come. C'est something. Yeah, you look very beautiful. You just look like a queen. Yes, wow. I know it's not, microphone is not about everybody, but say something. Say something about your address, please. Parlez de votre environnement. Je l'ai habillé, non? Je vous ai dit ce soir, 50-50. Je l'ai habillé, on s'est habillé. Ils se sont habillés, 50-50, sweeperie, est-ce qu'on peut une fois de plus? Les ovationnés, s'il vous plaît. Je vous en prie, madame la marraine. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des crocodiles qui ont souffert. Regardez la chaussure qui parle. Alors, est-ce que très brièvement, vous pouvez décrire votre habillement? Je le connais avec de grands goûts, le jury va apprécier et va certainement donner son mot. Alors, la versatille, toi qui connais l'agencement, toi qui connais tout, dis-nous un peu là, je sais pas, quand je touche là, j'ai peur de, je sais pas, c'est quoi la biomane? Pièce unique. Mais, ah bah, du nom du que pièce unique, bac. En fait, je vais parler à ça, tu es elle-même. Mon cadeau de Noël arrivé en France. Donc, je fais bien ce soir un message à cette robe. Je n'étais pas sûr de pull of the dress, mais je pense que je la porte très bien. Et la chaussure hier, c'est comme si elle est pinante, la chaussure, c'est pour chasser les hommes. On va demander à Nutella ce qu'il voulait faire, mais je crois que Nutella voulait créer des problèmes à Nutella. Merci, est-ce qu'on peut applaudir Mimi Verstati et applaudir tous ceux-là qui ont décidé de se prononcer, de se produire sur la nuit de la sapologie. Alors, on va demander au public maintenant, vous allez choisir qui est la gagnante. Ok, il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose. Oui, voilà, quelqu'un me dit que vous allez obligatoirement défiler un peu, parce que là, on ne voit pas vos vêtements. Bon, ceux qui veulent démissionner, vous êtes libres de partir. Ceux qui nous restent, vous restez. Ouais. Ok. Ceux qui démissionnent, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent marcher un peu pour que de temps en temps, on voit ce qu'ils ont. Ok. Oui. Ça nous permet peut-être d'éliminer un bon nombre de personnes. Parce qu'au moins, pour choisir quelqu'un, il faut qu'on ait vu. Ok. Ok, voilà, c'est comme ça la vie, hein. Il y a toujours des étapes dans la vie qui éliminent de façon naturelle. Oui, il y a des situations naturelles qui éliminent des gens. C'est pas moi qui ai chassé, hein.
J'avais même du mal à choisir. Hein. Mais non, le travail s'est fait tout seul. Donc je pense que je vais aider les dames à descendre. Parce que vous allez... DJ Yannick prépare nous des musiques là. Elles vont aller à tour de rôle. Je veux juste que vous vous mettez ici. Les dames, je vous en prie. Comment? Ok. Venez. Ok. Les dames. Ok, donc on va aller comme ça, jusqu'au fond de la salle, et on revient pour permettre au public d'observer ce que vous avez sur vous. Jusqu'ici, et vous repartez une seule personne à la fois. Didier Ali, si tu es prêt, tu me balances le son. Et puis la première va partir. Vous êtes la première. Faites le malin, hein, faites le malin, pendant le défilé. Faites votre malin. On va prendre
entre l'avis du public qui va compter à 40% et le jury à 60%. Et votre avis, ce sera simplement par des applaudissements, pas de cris. Donc, je vais commencer par les hommes parce qu'ils sont moins nombreux. Je vais vous demander de choisir le gagnant. À partir de vos applaudissements, on va déterminer qui a gagné du côté du public. Alors, des gens, s'il vous plaît, venez. Si vous pensez que du côté des hommes, c'est des gens qui remportent le prix du meilleur support ce soir, applaudissez pour des gens, s'il vous plaît. Vraiment, les enseignants du travail, on dit ne criez pas. Ne criez pas, s'il vous plaît. Ne criez pas, s'il vous plaît. Ah, ok. Une fois de plus, si c'est des gens pires que vous croyez qui a gagné ce soir, applaudissez pour des gens pires. Alright. Avancez, Christy. Bon, maintenant, si vous croyez que c'est Christy du Japon qui a gagné, applaudissez pour Christy. If you think Christy du Japon is the winner, put your hand together, ladies and gentlemen. Alright, I guess from the outcome, Christy should be the winner, right? Okay, so we're gonna see now what the juror will decide. Okay, we're gonna hold on to that. Stay there. We're gonna go now with the ladies. Okay, see this. I think you, the youngest one among them, right? Okay, if you guys think is Cindy the winner, please put your hand together. All right, si vous pensez que c'est la gagnante, je vous en prie, applaudissez très fort pour elle. Okay, c'est bon. Je vous en prie, mettez-vous là. Non, mettez-vous là. Peut-être vous ne pouvez pas partir, peut-être c'est vous la gagnante, peut-être vous allez avoir moins que ça. Venez. Si vous pensez que c'est la gagnante ce soir, je vous en prie, applaudissez pour elle. Ouais, pourquoi vous faites ça? Elle a même tiré les messages. Dans tous les cas, je ne comprends pas. Si vous croyez que c'est la jolie demoiselle, la jolie dame, autant pour moi, en rouge, applaudissez très fort pour elle si vous pensez que c'est la gagnante. Ok, je vous en prie. Beyoncé, avancez. If you got it, Beyoncé should be the winner. Please put your hands together. All right. Please come on. Yo, yes. What's your name, by the way? Oh my God. Okay. Stay on this side. Okay. La Parisienne, je vous en prie, avancez. Si vous pensez que c'est la plus habillée ce soir, je vous en prie, applaudissez. Ok. Merci. Je vous en prie, madame, avancez. Si vous pensez que c'est la dame la plus sapée ce soir, applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Ok. Au risque de me tromper, je pense que c'est elle qui a eu d'applaudissements, n'est-ce pas? Est-ce que je suis d'accord avec le public? D'accord, ok. D'accord. Maintenant, je vais inviter le jury, s'ils ont fini avec le travail, à venir ici pour donner le résultat final de la sapologie de ce soir. Et je vais inviter également monsieur ou madame Yaka de se joindre à nous ici pour déjà donner le prix remporté pour la sapologie de ce soir. On écoute Fleury Lambert, le sapeur, et Gado Alain Le Bocontier, le sapeur. Bonsoir encore, hein, bonsoir tout le monde. Déjà, c'est un lapsus de la part de Maréchal. Je ne me considère pas sapeur parce que je ne crée rien. Je suis ce que les autres ont fait, je ne suis pas un sapeur. À l'opposé, n'est-ce pas, de mon alter ego, qu'on peut facilement appeler un sapeur. C'est quelqu'un qui crée. Il fait des choses qui sortent de l'extraordinaire, de l'ordinaire. C'est différent. Moi, je ne fais rien de spécial. Et ça va être particulièrement le critère spécial, n'est-ce pas, du jury.
un sapeur, c'est un créateur. Alors, nous allons commencer par les hommes. Hein? Mon cher ami, les hommes, s'il vous plaît, les hommes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons ici un contraste assez évident, parce que nous avons quelqu'un qui est tellement bien vêtu, il est habillé dans un style que j'adore. Mais est-il un sapeur? Est-il un sapeur? Voilà. Mais de ce côté, nous avons quelqu'un. Je vous en prie, des applaudissements pour le sapeur de la soirée, Christine du Japon. Christine du Japon. C'est ça la création. On s'habille, on va dire, on n'a pas l'habitude des gens de voir les gens s'habiller comme ça. Voilà, demain il faut que j'essaie de m'habiller comme ce monsieur. Il était comme ça hier, il a mis un truc un peu différent, peut-être bizarre, mais bon. Voilà, c'est ça le sapeur. Alors, pour nous, pour notre jury, Christine du Japon, c'est le sapeur de la soirée. Mais de l'autre côté, nous avons quelqu'un de super bien habillé, mais à notre avis, c'est pas un sapeur. Un sapeur, non. Bien habillé, il est, ça c'est mon type, exactement, c'est mon, c'est ma qualité d'homme, c'est ça que j'adore, j'aime des gens habillés classiques, mais les sapeurs, c'est un concept que j'adore aussi d'autre part, merci. Mais nous avons un problème avec les femmes, hein. On a un problème avec les femmes, parce que toutes sont tellement charmantes qu'il a été difficile pour nous de choisir une femme. Je demande au MC de nous donner l'occasion de choisir deux. Okay. Et le jury va nous aider encore. Le public va encore nous aider. Nous avons besoin de deux. Non, 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 on va sortir d'ici avec une femme. Mais nous allons d'abord passer par deux. Ok, okay. Mais c'est très difficile. C'est très... Regardez comme elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles, mais comment est-ce qu'on choisit une femme? Avec Dieu, n'est-ce pas? Voilà, je vais commencer par elle. Elle a une super robe d'une couleur que nous adorons, le rose, qui symbolise de l'amour. Elle est, sa robe est assez créative. Et le message est assez divin. Elle, robe suffisamment sexuelle et très très belle. Le côté, la fleur fleurie et fleur, c'est quelque chose qui va toujours ensemble. Regardez cette belle robe rouge et la beauté africaine symbolisée. La Beyoncé, qu'est-ce que je vais encore dire? Beyoncé. Cette robe noire, on l'adore, n'est-ce pas? Mais la création, je veux la création. Regardez la création. Elle est toute noire, mais elle a ajouté quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui crée. N'est-ce pas? Qui crée. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle la symbologie. Mais ensemble, dans le jury. Excusez-nous, hein, nous avons dit, elles sont toutes belles. Mais nous avons choisi. Déjà, elle, parmi les deux, des applaudissements si vous êtes d'accord avec nous. Merci. Hein. C'est très difficile. Mais nous avons choisi la deuxième pour sa créativité, la créativité de sa robe. C'est pas souvent qu'on voit des femmes sortir avec une robe qui ressort la qualité du pantacourt à l'intérieur. C'est différent, c'est la création et c'est de ça que nous voulons, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, merci, vous êtes toutes belles, vous êtes charmantes, on va s'amuser. Venez vous asseoir et merci. Non, quand tu restes. Oui, oui, elle reste, elle reste. Voilà, Maréchal, s'il te plaît, si tu peux nous aider, le public, avec ces deux femmes, c'est très difficile de séparer, mais je pense que ce public est suffisamment intelligent pour faire la différence. Merci. Merci au jury, merci
Fleury Lambert, merci Gado Blablo Bocanti. Christine du Japon, vous êtes abandonnée avec deux femmes. Je crois que maintenant, je vais une fois de plus me retourner vers vous parce que c'est pour vous faire plaisir que nous sommes ici aujourd'hui. Le jury a fait sa part et maintenant, vous allez faire le vôtre. Et également, le couple gagnant, en plus du cadeau qui sera offert, ira recevoir la diva qu'on attend tellement. Donc c'est déjà un des privilèges de ce soir, en plus du cadeau qui les sera offert. So, c'était bien. Voilà. Vraiment, on n'a pas choisi ces jurys au hasard, parce que lorsqu'elle a fait la description des chaussures, le blanc, le noir, je pense que c'est 10, sûrement tu as quelque chose à dire encore pour convaincre ce public de tourner vers toi. S'il te plaît, dis-nous encore quelque chose de plus sur ton habillement. Les deux sont très bien habillés. L'autre a un jumpsuit blanc avec des chaussures noires entourées de belles blanches qui marient avec son jumpsuit. C'est super bien. La fille en noir, elle est habillée classique. J'ai un reine d'Angleterre avec son chapeau une crêpe, comme on le dit là. Elle est très bien habillée avec la découpe de sa robe vraiment fascinante. Comme le tonton a dit tantôt, que nous sommes en plein hiver et c'est le dain qu'on le met et elle a respecté tout, donc je la trouve waouh! Thank you, merci du Japon. Alright, ladies and gentlemen, one more time, I need your attention. And if you think she is tonight winner, please put your hands together, please. Okay. I'm gonna give 40% on that. If you think she is the winner, ladies and gentlemen, put your hands together. All right, that's about 80, right? 80. And right now, I will hand over the microphone to the jury again. Now, I guess you have everything. Okay. Le Pocanti, c'est something, my brother. Voilà, le public nous aide à choisir très facilement le gagnant. Et je pense que le gagnant ce soir parmi les dames, c'est notre consoeur habillée en noir. Il y a cette particularité de représenter quelque chose de spécial. Je demande à tout le monde de lui d'applaudir pour elle. Elle est la gagnante de la soirée. Elle va rejoindre Christine du Japon pour le couple gagnant du soir. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. Merci, merci à notre dauphine. Merci pour la dauphine.
Ah, elle reçoit un prix, elle reçoit un prix. Merci, merci Marshall, je pense qu'on a fait notre travail. À très bientôt. Oui, elle ne part pas, elle est la dauphine. Elle a un cadeau qui sera offert par Back Home Tea, qui doit également donner un cadeau au couple gagnant. Alors j'invite Back Home Tea, s'ils sont prêts, de nous rejoindre ici. Et ce cadeau est bien différent du cadeau qui sera offert par le groupe LPJ, qui est parrain de cet événement. Donc Back Home Tea, je ne sais pas s'ils sont ready de venir avec le cadeau déjà de notre dauphine et également le cadeau des deux gagnants. Et j'invite également monsieur ou madame Yakam de nous rejoindre ici, parce que on me fait signe de l'autre côté que la diva n'est plus loin de cette salle et on va s'amuser. Alors DJ Yannick, si tu as une musique circonstancielle pour permettre à ces deux êtres de célébrer la victoire, pousse-moi le son le temps que je me rassure que c'est calé de l'autre côté. DJ Yannick, over to you. Que le cadeau arrive. Est-ce qu'on peut applaudir pour Christine, s'il vous plaît? Merci.
Merci. Et également, je crois que Bakrochi est déjà prêt avec ses cadeaux. Je vous en prie, ne perdons pas beaucoup de temps. Il y a trois personnes et Bakrochi a trois cadeaux pour ses gagnants. Dans l'Institut du Japon, votre cadeau arrive. Mais je vous offre une bouteille de champagne le temps que vous dégustez en attendant ce cadeau. Alors, la deuxième, Bakrochi est en train d'arriver. Merci, merci. La bouteille de champagne est là, je peux déposer sur la table de Christy Japon, ça c'est pour vous. Ok. Merci, monsieur Bakrochi, et merci de toujours soutenir la culture japonaise. Nous sommes là à la toute première édition de la nuit de la sapologie, et vous avez certainement quelque chose à dire à ces valeureux gagnants ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Ah, vous êtes sapé. Je comprends que lorsqu'on est très sapé, on n'ouvre pas beaucoup la bouche. Ah, je pense que tous les concurrents qui sont passés ce soir avaient, qu'est-ce que j'ai entendu, Versace, c'était Beyoncé. Mais tout à l'heure, ils vont recevoir quelque chose qui signifie quelque chose pour eux. Ça se dit en français, c'est ça? Mm-hmm. Oui, moi ça a été approprié, il a fallu prendre la taille de chaque gagnant et leur donner quelque chose qui va représenter quelque chose pour eux. Oui. Thank you. Merci. 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 Ça, comme vous avez constaté, il y a certainement plusieurs personnes qui portent ce soir. C'est Back Home T. Si vous voulez en savoir plus, vous gagnez Back Home et la lettre T. Comment dire ça? Ce soir, c'est une soirée, je pense, 95% camerounaise. La raison pour laquelle nous avons une demande de produits du Cameroun ce soir. Vous allez trouver pour tous les pays d'Afrique, pour tous les pays d'Amérique latine. C'est un concept fait pour ceux qui vivent aujourd'hui dans un pays où ils n'ont pas grandi, dans un pays où ils ne sont pas nés. Donc ça leur permet de se rappeler par vous. Je pense que le DJ lui-même a porté le maillot des gens ce soir. Ça a pris juste un peu de temps parce qu'il a fallu aller confectionner la taille appropriée pour chacun. Quoi. Je pense qu'il y aura un sac pour chacun. Les deux, c'est la même chose, c'est juste des tailles différentes. Donne-lui celui-là, ça c'est sa taille. Ça c'est pour elle. Oui. 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 Merci à tous les participants, merci à tous les invités. Merci, vous allez bien. Thank you. Vous allez vous asseoir. L'occasion pour moi de vous dire. Merci officiellement pour votre participation